Et vous avez pu le suivre l'événement sur notre chaîne lundi. Martin Bollard, chef du restaurant Les Jardiniers à Ligret, a été décoré d'une étoile verte Michelin. Une étoile qui récompense son engagement éco-responsable. Ils ne sont que 9 chefs et établissements à en avoir reçu une cette année. Et c'est le seul de notre région. 3 jours après cette distinction, on s'est rendu à Ligret pour découvrir comment travaille ce chef aussi un peu jardinier. On ne peut pas être au four et au moulin, mais on peut être au fourneau et au potager. D'ailleurs, c'est là que Martin Bollars commence sa journée. Il faut choisir avec soin les légumes qui composeront ses assiettes. On va manger un plat qui est déjà très connu dans la région, qui s'appelle l'instant T. C'est un plat qui peut changer tous les jours, toutes les semaines, qui peut évoluer. Là, pour l'instant, on est sur les derniers choux de Bruxelles. Bah, eux, on va juste les blanchir, les couper, les mettre dans l'assiette. La suite en cuisine. Si le chef prépare des plats à base de viande et de poissons locaux, il met surtout en avant une grande variété d'herbes aromatiques et de légumes, en créant des compositions colorées aux végétaux de saison. Nos choux de Bruxelles, ce qu'on est allé ramasser tout à l'heure, on a juste blanchi, coupé en deux, à peine assaisonné, on va les mettre dans l'assiette après. Il y a énormément de gens qui m'ont dit, spontanément, j'aurais pas pris une entrée légumes, c'est pas du tout mon truc, mais c'est vachement, vachement intéressant et je ne le regrette pas du tout, quoi. Le restaurant de 25 couverts pourrait bien afficher complet dans les prochains mois. Après la consécration du chef, on se presse pour réserver sa table, jusqu'en juillet, août et même septembre. Le téléphone n'arrête pas de sonner en ce moment, peut-être. Ah, je m'en sors plus. Ce midi, seule une poignée de clients a fait le déplacement. L'occasion de découvrir l'univers gourmand de Martin Bollars. Merci beaucoup. La glace, le sorbet, là, c'est vraiment... Ouais. T'as goûté? C'est des saveurs qu'on goûte d'habitude, mais cuites d'une autre manière et pas du tout le même goût. Pas du tout la même chose. Enfin voilà, le poireau, on n'a pas l'habitude de le manger comme ça. Face à la forte demande, les prix du menu n'augmenteraient que de quelques euros d'ici un an. Une façon de rendre la cuisine gastronomique un peu plus accessible. Je coupe le...